Une pliaise, c'est quoi? C'est tout simple. C'est une partie pointue qui va appuyer sur un V. Donc là, on est parti de fer plat qu'on a soudé, je pense, à 90 degrés. Mais il existe plusieurs sortes de V. Et ça, c'est un fer plat qui a été taillé. Et le but, c'est de, par la force, de plier des tôles. Voilà, donc la partie pointue elle force la pièce à prendre la forme. Et après, pour l'angle, on appuie, on force de ce qu'on a besoin. Il faut toujours faire un peu plus, parce que le métal il est élastique et quand on lâche, ça ouvre toujours un peu. Alors là, on va plier cette pièce qui servira à faire la goulotte. Une goulotte qui passe d'une section rectangulaire à une section ronde. Donc là, on a le déplié. C'est cette pièce-là. Et alors, on va arriver à ça, artisanalement. Dans un premier temps, on va découper à la meuleuse les traits au laser. Là, on va les inciser. On va pas les découper, on va juste les ronger pour faciliter les plis. Ensuite, on va utiliser une pliaise fabriquée maison. Et on va finir avec l'étau. Alors pour être sûr de la qualité de la pièce, on utilise deux gabarits. Celui-ci pour la pièce arrondie. Voilà. Et celui-là pour la pièce rectangulaire. Ici. Donc là j'avais, grâce à la meuleuse et un disque à meuler, donc le plus fin possible. Je vais ranger un peu tous les traits. Alors pour ce faire, le plus fiable, c'est de viser le disque qui soit aligné avec le trait et d'avancer comme ça. Si on se met à côté, on n'est jamais bien aligné. Alors là, je vais commencer à plier. Donc je commence par l'intérieur pour qu'à chaque fois j'ai la marge pour pouvoir faire vers l'extérieur. Donc là, je me mets le trait sur l'arête. Je maintiens, je serre. Et alors c'est là où c'est délicat. Il faut avoir un angle. Grâce au gabarit, on sait l'angle qu'il nous faut. Il faut faire un peu plus parce que quand on ouvre, hop, le fer revient. C'est l'élasticité qui fait ça. Là, je me suis trompé dans l'angle, c'est-à-dire que j'ai voulu faire l'angle. On a l'angle du milieu là, qui est fait par le pliage par deux pliages. Et du coup, là, je me suis basé que sur un. Donc là, il paraît bon, mais en réalité, vu qu'il faut que je pile l'autre côté, ça va serrer encore plus. Donc pour rectifier une erreur, on pourrait inverser dans l'autre sens, mais vu qu'on a beaucoup de largeur, on redresse mal. Donc le mieux, c'est de se prendre sur un étau et de redresser comme ça. Donc là, le problème, c'est que le premier pli, il est un peu à l'œil, puisqu'il faut faire à peu près la moitié d'un côté et la moitié de l'autre. Là. Donc là, j'ai en effet la moitié. Donc là, on voit le premier pli. Donc j'ai fait ce côté et là je vais faire celui-là, le but étant que cet angle-là, ici-là, il soit comblé par les deux pliages. Donc c'est le plus délicat de cette pièce. Après les autres, ça va bien, ça s'enchaîne bien. On va voir là ce que ça donne. Et bien là on est bien, on est très bien.
Alors là, j'ai terminé cette partie-là. Et il reste un dernier pli, celui-ci. Ce trait-là. Et celui-là, on ne peut pas le faire à la pliaison. On fait directement à l'étau. Donc on vient se mettre l'étau au niveau du trait. Pour qu'il y ait toute la surface qui soit prise. Ou un maximum au moins. Et ensuite, marteau. Marteau et burin. Et bouchon d'oreille. Alors là, on est sur l'assemblage du cône. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des pincettes étau bien au bord et en même temps assez centrées pour les assembler et ensuite simplement pointer. Donc ça, c'est la première étape. Là, on a donc pointé et on voit qu'il reste une forme de petit jour sur l'assemblage qu'on n'a pas pu avoir avec les pincettes étau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un gros étau et venir appuyer dessus avant de pouvoir pointer pour qu'elle soit bien à plat. On se met là. Et en appuyant bien, alors deux choses, soit j'appuie et je reviens et ça l'a remis en place. Si ça ne suffit pas, bah je laisserai les taux en place pour pouvoir pointer derrière. Et bah du coup on va pointer ici maintenant qu'on est bien, on est bien sur le même plan. Et puis ensuite on pourra finir de pointer toute la pièce.